Merci, Monsieur le Président. Monsieur Témoin, en janvier dernier, alors que vous étiez déjà à cette barre, vous avez été interrogé sur les communications au sein de l'armée avant la victoire, avant la prise de Phnom Penh. Et vous aviez alors expliqué que vous receviez vos ordres militaires, parfois par radio, parfois par messager. Et en ce qui concerne la radio, vous aviez déclaré qu'il y avait souvent des problèmes qui étaient liés à ce type de communication. Et vous avez expliqué que pour cette raison, chaque unité devait être capable d'une certaine autonomie. Je vous cite, c'est la page 52 de la version française, et c'est entre 11h35 et 11h40. Vous avez dit qu'une compagnie devait prendre ses propres décisions et gérer ses propres forces pour garder la situation. Est-ce que vous vous souvenez de cette explication sur la nécessité d'une certaine autonomie? Monsieur le Président, je vais faire très simple, je vais vous lire juste quatre lignes de ce que vous avez dit en janvier dernier. Je cite, « Pendant les combats, la communication était difficile et prenait du temps. » Il y avait en effet des problèmes liés à la communication par radio. Parfois, le message arrivait trop tard. Et parfois, il était trop tard pour pouvoir s'occuper des blessés. Un petit peu plus loin, vous dites, chaque petite unité, comme une escouade, un peloton, une compagnie, devait prendre ses propres décisions, gérer ses propres forces pour garder la situation sous contrôle. Fin de la citation. Vous vous souvenez de cette déclaration? Dans cette description, vous faites état de difficultés de communication. Et ma question porte maintenant sur la période qui a suivi la victoire. Pas la période pendant laquelle vous êtes dans Phnom Penh, mais la période pendant laquelle vous serez dans le Ratanakiri. J'aimerais que vous nous décriviez, nous expliquiez si pendant cette période, votre unité a connu une amélioration ខ្ញុំបាទជម្រាបជូនថាកាលពីមុនវាមានការខ្វះខាតលើប្រស័យតាក់ទងហើយវាមិនសូវផ្ដល់សភាពការនៅអត់ទាន់ពេលវេលាទេបាទ
ក្រោយមកទៀតក៏វានៅតែដំណើរការនឹងនៅយឺតដល់ហើយដែរទោះបីការប្រើប្រាស់តេអូនេះក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចការងារដែលសំខាន់នេះចាំបាច់ក៏វាមិនបានទាន់ពេលដែរនេះក៏មានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែរកន្លងទៅ En janvier dernier, vous avez également été interrogé sur la manière dont vous aviez rejoint votre nouvelle affectation dans le Ratanakiri à la fin de l'année 1976. Vous avez fait une déclaration qui m'a un petit peu surpris. Vous avez dit, si vous allez à vélo, est-ce que vous confirmez être allé rejoindre votre poste fin 75, pardon, fin 76? ឃើញខ្ញុំឃើញលោកព្រះញ្ញាក្រោកឡើងថាពុទ្ធខ្ញុំច្រឡំមិញថាចង់ឆ្នាំ75តើលោកចាំទេការដែលលោកទៅកាន់តំណែងនៅរដ្ឋនគរីនេះលោកជិះកង់ទៅតែអញ្ចឹងមែនទេបាទត្រឹមត្រូវដែរចេញពីភ្នំពេញជិះកប៉ាល់ទឹកបាទទៅចុះកាចេះទៅដល់កាចេះហ្នឹងគឺនាំកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានរែងកង់ហ្នឹងគឺជិះកង់មកលហូតទៅដល់រដ្ឋនគរី Et le reste des hommes qui étaient sous vos ordres à voyager également à bicyclette, comment se sont Comment s'est déplacé votre unité? បាទជីកកង់គ្នាច្រើនដែរមិនមែនតិចទេតែមានឡានឡានក៏ជូនខ្លះប៉ុន្តែឡានជូនកម្លាំងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេកម្លាំងមកកងពលធំបាទជាបណ្ដាក់បណ្ដាក់ហើយអ្នកដែលមានលទ្ធភាពមានកង់មានអីនោះជីកទៅមនុស្សជាចំនួនប្រហែលជារាប់រយអ្នកដែរបាទជីកបន្តគ្នារហូតទៅដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបាទ Et vous qui étiez commandant adjoint, vous n'avez pas fait ce trajet en voiture ou en camion militaire? Pourquoi avez-vous fait ce trajet en voiture ou en camion militaire? Je suis allé à l'Anouk Sanat, mais je suis allé à l'Anouk Sanat. Je vous remercie. Vous avez été interrogé à plusieurs reprises pendant vos rencontres avec les enquêteurs du tribunal et puis les séparés sur les motifs que l'on vous avait donnés pour l'évacuation de Phnom Penh. Et vous aviez peu varié dans vos explications, vous avez été assez clair, notamment en page 63 de la version française, à 13h42, vous déclarez, sur la base de l'expérience, je peux dire que quand une zone était conquise, le plan était toujours de l'évacuer, pour éviter que de nouveaux combats n'explosent dans les zones nouvellement conquises. ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅកន្លែងដែលយើងដណ្ដើមបាន Et puis
plus loin, à 13h43 minutes. Vous parlez plus précisément de l'évacuation de Phnom Penh. Vous dites que, là aussi, on vous a donné la même instruction de faire évacuer la ville. Et vous avez expliqué, je cite, même si l'ennemi avait été vaincu, il existait encore certaines poches ici et là. Et puis vous dites aussi quelque chose, c'est là-dessus que je voulais vous poser une question, je cite, quand nous avons pris le contrôle de Phnom Penh, nous ne sommes pas vraiment restés droits. Nous étions en mouvement pour des raisons de sécurité. Nous avions peur que nos troupes ne soient attaquées par les vestiges de l'armée vaincue. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Nous sommes en train de nous faire. Merci, ce n'est pas une objection, Monsieur le Président, la version non révisée, la transcription de la version non révisée, ដែលបានជម្រាបជូននឹងបាទព្រោះដែលល្បិចនៃសង្គ្រាមហើយទីក្រុងបាទប្រព័ន្ធទីក្រុងក្រាស់ទៀតកន្លងមកវាមានជួបប្រទេសមកហើយបាទតាមទីរួមខេត្តអីផ្សេងៗបាទដូច្នេះក៏បច្ចេកទេសឬយុទ្ធសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមវាមានមិនផ្លែពីគ្នាទេបាទដើម្បីការពារកម្លាំងបាទកម្លាំងមានគ្រោះថ្នាក់ជន់លើជន់ហើយកន្លងមកគឺអនុវត្តអញ្ចឹង Apparemment, d'après vos déclarations, cette crainte perdue, compris après la victoire, puisque un petit peu plus loin, entre 13h46 et 13h49, votre audition du 11 janvier devant cette chambre, vous avez expliqué que, après la victoire, votre unité était chargée de garder le ministère de la propagande et que vous faisiez des rondes dans la ville de Phnom Penh pour garder ce ministère et pour prévenir une attaque, c'est exact? Oui.
avant la prise de Phnom Penh, mon nom d'Andam Ban, c'est le Phnom Penh, qui est un pays supérieur hiérarchique. Mais le Phnom Penh, la manière dont il allait falloir procéder une fois que la victoire serait remportée, et au moment où vos supérieurs vous ont donné une instruction de faire évacuer la ville, est-ce que les motivations qui vous ont été indiquées à ce moment-là étaient uniquement des motivations une stratégie militaire comme celle que vous venez de dire à l'instant, est-ce qu'il y avait d'autres motivations? Ou est-ce qu'il y avait d'autres motivations? Dans le cas de votre question, il y a un moment où il y a des motivations. C'est vrai. Il y a un moment où 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 Est-ce qu'à un quelconque moment, vos supérieurs hiérarchiques vous ont expliqué que cette évacuation de la ville était justifiée par une nécessité de punir les citadins? บ่าเปียได้ถ้าដាក់ตนกรรมដល់ประชาชนក្រុងភ្នំពេញនឹងខ្ញុំបាទតែມັນបានទទួលនៃការសិក្សាណែនាំអញ្ចឹងទេគាត់ឲ្យតែជំនះចេញហើយរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចចាំមើលសភាពការក្រោយមកនឹងដោះស្រាយជាបញ្ហាបាទគាត់តែពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងទេ Je voudrais vous poser quelques questions sur cette cérémonie à laquelle vous avez indiqué avoir assisté au Stade Olympique et au cours de laquelle a été annoncée la création de la division 801 et de deux autres divisions. D'abord, question très simple que je vous ai déjà posée plusieurs fois, je peux vous la reposer. Est-ce capable de vous situer dans de nouveaux mois de l'année 1975? ប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលខែក្នុងឆ្នាំ2005នេះទី1សម្ដាប់ធ្នាប់នៃប្រកាសកងទ័ពហើយទី2នៃការរៀបចំនៃប្រកាសនៃរបស់មជ្ឈិមបាទដឹកនាំទូទាំងប្រទេសបាទ Juste une précision pour les transcrits, vous a dit. Alors, monsieur, je vous demande de ne pas lire ce que vous avez dans les yeux, parce que pour l'instant, je ne vous ai pas soumis de document. Soyez gentil de ne pas consulter de document. Monsieur, je vous demande de ne pas consulter de document. Merci. On nous a dit 2005 en français, merci. Vous venez de dire que cette cérémonie concernait la réorganisation de l'armée.
Combien de temps a duré cette cérémonie? Plusieurs jours, plusieurs heures. Est-ce que vous pouvez préciser la durée de la cérémonie? Je ne sais pas si vous avez un jour. Mà thằng ngày nó thứ pin mà thằng ngày nó hết bị chọc tao cả lại riêng riêng luôn mình mà. Est-ce que le la création de la division 800 et des deux autres divisions créée à ce moment-là, c'était une décision importante. Tao con pô thằng bay nó chưa con pô sầm khăn đại rư tế và sân chia con pô sầm khăn nó ta lục ách và đòn mù lại hạt bàn đại rư tế. Và bay con pô nó chưa con pô sầm khăn mà về bị chăm mà đây là bị mụn nó về bị chăm sầm rạp từ tì còng không bình mà đó bay bay tam thay bay tam thay khăn cáo dùng một bốt biết sầm rạp tu tiếng rồi bỏ bát tì thằng mù rồi bà phần đã bay sầm khăn nó cứ miên phẩm bay rồi mũi phẩm bay rồi bay nâng là phẩm mùi rồi trầm mà lors de cette cérémonie, est-ce que vous pouvez dire qui a annoncé cette création? Vous avez parlé de plusieurs dirigeants, vous avez mis des principes, vous y en avez 21. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel de ces 20 dirigeants a annoncé à une milliers de personnes, vous nous dites qu'ils étaient là, la création de ces divisions? Và khi ông Corona chấm riết chúng ta ca bằng cả con cho phải ca bằng cả nó cứ miền tây mi bình chia ca kẹo mi bình chia ca mà sầm rập là đắk nông tu tiên của tên bằng cả mà còn là cọp khăn đắk nông ấy làm ất nông thần nặng đây sầm chức mà chung tiền group group đi vừa xuất tịch cả nặng mi bình chia ca group này chẳng mà cho ba co về nấu chay đấy toàn vô chia chia đâu J'ai pas bien compris votre réponse. Chấm lại được bao lâu thế? Hai đấy có lúc mình đi thang cả nó lúc nó không mình về nhóm mình vô nhóm trong ai lúc bắt đầu chúa mẹ đây bạc ca bằng ca bằng ca con pool đang ở nè bà xong lúc chạy nâng sầm nuôi nè bà nhóm bị lịch ở đây nhà kia mới bị chia cao và cao nên mình đang chờ chết chướng rồi có xâm xén đi mà cao lưng và cao mà top này làm đập top mà hai đường tầm nang con pull mà tầng off mà ce matin plutôt en janvier 2013, lorsque le procureur a montré le
Alors, je vais vous donner quelques précisions pour voir si ça va rafraîchir la mémoire. Le procureur, vous avez montré un exemplaire de l'état révolutionnaire qui parlait d'une cérémonie qui s'est tenue le 22 juillet 1975. Et on s'était fait l'écho de cette revue. Les sujets abordés lors de cette cérémonie concernaient l'armée. Vous vous souvenez des questions que vous avez été posées à ce moment-là par le procureur? Et vous avez raison. Tout à l'heure, lorsque mon confrère pour Nyonchea vous a parlé de l'état d'un révolutionnaire, vous avez expliqué qu'avant de recevoir cette revue, vous en aviez reçu que vous en aviez eu en main deux. Est-ce que parmi ces deux exemplaires de l'étendard révolutionnaire que vous avez eu en main avant d'y être abonné, il était question de la cérémonie sur la création de la division 801 à laquelle vous aviez assisté? Est-ce que vous vous souvenez de ce détail ou non? Je vous remercie. Et dans le magazine que vous aviez eu en main à l'époque, il était donc question de la création de la nouvelle division, c'est exact. Il était donc question de la création de la nouvelle division. Tout à l'heure, lorsque la défense du nombre de 21 dirigeants assistants à cette cérémonie, vous avez pu nous parler d'un programme écrit. Et moi, j'ai cru comprendre de votre réponse nous sommes sujets parfois à des aléas dus à la succession des traductions. Je voudrais vous demander de clarifier. J'ai cru comprendre que vous
vous expliquer que si vous vous souvenez de ce chiffre de 21, c'est que vous aviez compté 21 dirigeants sur ce programme écrit. C'est bien ça que vous vouliez dire? Et quand vous aviez été interrogé préalablement en 2009 et 2010, par les enquêteurs du tribunal, vous n'aviez jamais parlé de ce qu'est-ce qu'il y a une raison à cela. Et vous n'aviez jamais parlé de ce qu'est-ce qu'il y a une raison à cela. Je vais la répéter, monsieur. Je crois que ce matin, c'était la première fois que vous parliez de l'existence d'un papier, d'un document, d'un programme écrit qui aurait été distribué aux participants à cette réunion. Après vérification, vous avez récupéré des positions que vous avez assimilées entre 2009 et 2010, après votre entretien avec les enquêteurs. ពេលដែលលោកឆ្លើយទៅនឹងអ្នកសិស្សបង្កេតនោះខ្ញុំមិនដែរឮលោកមិនដែរឃើញថាលោកនិយាយអំពីកម្មវិធីប្រភេទហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកនឹកឃើញពីកម្មវិធីនេះវិញដល់នឹករឿងហ្នឹងឡើងដោយឯងអីឬក៏យ៉ាងម៉េចពីកម្មវិធីជាលិលាអសរនេះខ្ញុំមិនយល់ Bà, đây khi nhóm bát ban chấm riết tha ca chong chăm mà vì mình bỏ cả đầy tê vừa rướng vừa bênh mà hai hay ai cả xa vì ở bên chọc nơi nửa khuôn mà chân cán nức khơi tư vì sạch như rướng trong xoay như rốc tại rướng ấy đây chỉ rướng bật đâm bây chấm riết chùn mà rồi này on lốp sắt thì chẳng đang từ tuốt bị rướng bật mà chẳng các bạn tha pel Je comprends très bien, monsieur, et c'est tout à fait naturel. Je comprends très bien, monsieur, et c'est tout à fait naturel. Si on me demandait de me souvenir de l'événement qui remonte à 1990, j'aurais des difficultés. Et justement, pour ce qui concerne mon client, je voudrais vous poser la question très clairement, très certainement, à 100%, j'étais présent à cette réunion, ou est-ce qu'il y a votre possibilité d'un autre? Ou est-ce qu'il y a votre possibilité d'un autre? Ou est-ce qu'il y a votre possibilité d'un autre? Je voudrais revenir maintenant à une expression sur laquelle vous avez été interrogé, afin juste que vous précisiez pour que les choses soient très claires. Il s'agit de l'expression
sept super traîtres de l'ON Nol. En janvier dernier, c'était entre 13h35 et 13h37, notre journée de comparution. Vous aviez été interrogé sur cette expression et sur la première fois, vous l'aviez entendue. Et vous avez dit que c'était une expression qui était utilisée par beaucoup de monde. Et ce, dès après le coup d'État de M. Lamont, est-ce que vous confirmez cette expression que vous avez donnée en janvier? Je vais vous relire les quelques lignes qui concernent cette expression. Donc c'est après 13h35. Et le procureur vous demande à propos de ceux qui travaillaient pour le régime de l'ONNOL, est-ce que vous avez jamais entendu à cette époque-là, avant d'entrer à Phnom Penh, les communications par la radio ou d'autres moyens qui vous étaient donnés par des dirigeants du mouvement concernant ceux que l'on appelait les sept super traîtres du régime de l'ONNOL? Avez-vous entendu parler des sept super-traîtres du régime de l'ON Nol? Et là, vous répondez la chose suivante, vous dites, oui, j'en ai entendu parler. Après le coup d'État, j'en ai entendu parler. Il y a eu la mise en place d'un front, surtout à la campagne. Les gens qui souffraient ont essayé de suivre la politique de front. Un peu plus loin, vous continuez, vous dites, cela remonte à bien longtemps. La formation a été répercutée d'une personne à l'autre. Mais j'ignore quelle était la source même de cette information. Tout le monde connaissait bien cette expression. Voilà ce que vous aviez dit en janvier. Vous en souvenez maintenant? Voilà, monsieur, c'est quand même le transcrit de vos déclarations devant le tribunal. Je veux bien que vous l'ayez oublié, mais dire que vous n'avez pas dit cela, cela signifie que tout le tribunal s'est trompé, que les gens qui traduisent, les gens qui notent, ce que vous avez dit à l'époque, se sont trompés, ça paraît un peu gros. Est-ce que vous êtes aussi assez affirmatif sur cette question? Est-ce que vous confirmez n'avoir jamais parlé de ça devant ce tribunal? Est-ce que vous confirmez n'avoir jamais បញ្ជាក់ថាលោកបាននិយាយនៅទីនេះពាក្យពេចន៍ហ្នឹងមែនឬក៏លោកបដិសេធបាទខ្ញុំបាទមិនបាននិយាយទេ Bien, nous en prenons note. Bah, également. Et puis j'en viens
à ma dernière question, elle concerne une précision que vous avez donnée lorsque vous étiez entendu par les enquêteurs du tribunal. Lorsque vous votre âge, votre activité, 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 votre activité
សក្ខីកម្មលោកនឹងអាចរួមពិភាក្សាគ្នាក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃរឿងក្តីនេះសូមលោកឈោមសាយជួបតែតំណាងល្អរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលហើយនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនិងរដ្ឋមន្ត្រីនៃអង្គភាពកងពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅឋានរបស់គាត់ឬក៏ទីកន្លែងណាដែលជាគោលដៅដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅ សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលសំរមសម្រាប់ហើយអរញាណមេបកាផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកហើយអង្គការទី9ខែមេសាឆ្នាំ2013ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអរញាណមេនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពលើផ្ទះថាងដោយការស្ដាប់ទៅខេកម្មសាក់សីដែលមានហោសនាម TC 1536ក្រុមភិគីនឹងសាធារណជនជ្រាបហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីខុំខាំងនាំខ្លួនជួយចាប់ចតតាំងពីរូបគឺលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីខុំខាំងនៃអបតកោវិញចុះហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9សម្រាប់ចុះ